affirmatif. Marcel, 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 je ne me souviens pas. Marcel, 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 j'ai perdu ma mémoire. Eh, Naga freestyle. Il faut que j'ai donné ma position. Dieu m'a donné des pieds, il les utilisait. Ah, par quelle voie vous êtes sorti de la guinée? Quoi? Oui. Et vous n'avez pas contribué, comment je vais vous expliquer? Ah. C'est ça, maître. Tumba la faré, non, on va tumba la faré. Il y a mon fou. Tumba la faré, non, on va tumba la faré. Il cotoba. Par quelle voie vous êtes sorti de la Guinée? Voie? Oui. Et vous n'avez pas contribué, comment je vais vous expliquer? Ah. C'est ça, maître. Vous m'avez pas aidé? Le président d'Addis a dit qu'il ne vous a donné aucun ordre. Ah. Allez au stade. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Parce que la cour, c'est la cour, monsieur le procureur, l'empereur de la poursuite. Vous, ce que vous recherchiez, c'est-à-dire, c'est quels sont ceux qui ont reçu l'ordre. Mon président me dit que je l'ai empêché. Ça corrobore avec ce que je dis. Il dit également qu'il n'a reçu aucun ordre. Il a raison. Je n'ai perdu que 3 minutes avec lui. Est-ce que vous confirmez cela? Moi, je ne suis pas Toto, ce n'est pas moi qui ai dit. Mais vous étiez au stade. J'ai dit, ce n'est pas moi qui ai dit. Avec vos hommes. J'ai dit, ce n'est pas moi qui ai avec dit. Avec Begré. Va réveiller Toto là où il est couché. Très bien. Donc, très bien. Quel sentiment avez-vous? Non. Quel est votre état d'âme? C'est-à-dire, les faits pour lesquels nous sommes ici sont plus graves que ça là. Ça, c'est petit même. On va après parler ça. Si... Là, le faux dossier là qu'ils ont fait derrière moi, pensant qu'ils pouvaient organiser le procès là sans moi, ça ne peut pas marcher. Mais voici à Conakry. Vous avez été arrêté le 16 décembre 2017, ou 16, où? À Dakar. Il faut dire que j'ai donné ma position. D'accord. Ah, et extradé, extradé en Guinée. C'est moi qui ai donné ma position. D'accord. Donc vous, voilà. Étiez en fuite. Hein? Vous étiez en fuite. Et... Dieu m'a donné les pieds pour les utiliser. Ah, okay. C'est ça. Il m'a pas dit de m'arrêter. Voilà. Ça n'a pas commencé par moi seul. Voilà. C'est ça. Ah. C'est ça. Voilà. Vous savez pourquoi vous avez fui, vous le... Vous citez ici des versets coraniques. Quel est le message que vous lancez, M. Toumba Diakité? Ça vous a dérangé? Non. Non. Ah, on va le passer. J'ai même... Est-ce que vous confirmez cela? Moi, je ne suis pas Toto, ce n'est pas moi qui ai dit. Mais vous étiez au stade. J'ai dit, ce n'est pas moi qui ai dit. Avec vos hommes. J'ai dit, ce n'est pas moi qui ai avec dit. Avec Begré. Va réveiller Toto là où il est couché. Très bien. Vous avez obtenu votre diplôme de médecine en quelle année? Vous doutez? Confrère, ça, c'est pas codé. Vous doutez? Non, laissez. Vous doutez? On est à la question. Monsieur le Président. Vous ne posez pas de questions. Monsieur le Président. Voilà, je ne me rappelle pas. Voilà. Je vous dis, Marcel s'habille de la même manière que moi. Tout existe. Les gens, même si on demande, les gens m'imitent. Ils sont comme ça. Ils ne savent pas pourquoi, comme ça. Moi, ça cause peut-être de la forme de ma tête. Et pour ne pas que le béret tombe, souvent même, je me... Voilà, j'ai dit la forme de ma tête là, je ne comprends pas. Voilà. Maintenant, les gens, ils ne comprennent pas. Normalement, béret, c'est comme ça, mais moi, j'ai fait pour ne pas que ça tombe. Dès que j'ai fait comme ça, ça tombe. Dale Carnegie enseigne de ne rien ajouter à ce qui est bien dit. La sanctification de Toumba étant à la hauteur de son habillement, je n'ai pas de questions. C'est Marcel qui est venu avec coupe-coupe frapper mon père. Ce n'est pas moi. À sa foulage. Je ne suis pas un chasseur pour prendre une hache. Marcel Naka, expliquez. J'avais un PMAK. Hé, Marcel.
et un code 45. Voilà. C'est tout. C'est toi. Ce n'est pas moi. Est-ce qu'il y a l'autre là-bas? Comment il s'appelle? Man Favelo Tumba. Je n'envie pas votre diplôme. On a tapé l'école ensemble, tu connais. Ce n'est pas vous qui avez créé la justice. Trois dossiers là qu'ils ont fait derrière moi, pensant qu'ils pouvaient organiser le procès là sans moi. Ça ne peut pas marcher. Tu parles comme ça, je te renvoie. Prenez-le, prenez-le. Celui qui est arrêté là. J'ai dit là où tu es assis, tu es arrêté. Tu ne bouges plus. Un problème général. Ajoutez sur mon nom, Man Favelo Tumba. Ne dites pas sur ma Tumbarek, ajoutez. Voilà, Man Favelo Tumbarek. Moi, je suis né ici, grandi ici, tu connais. On a tapé l'école ensemble, tu connais. Il sait. Voilà. Après, Pibi prend la parole, il dit, Excellence, bon, voilà. Moi, il faut que je vous dise la vérité. Voilà. Il faut que Tumba soit arrêté. J'ai dit là où tu es assis, tu es arrêté. Tu ne bouges plus. J'ai dit là où tu es assis. Parlant du camp Kaléa, avez-vous une fois été au camp Kaléa? J'ai répondu à cette question. Quelle est la réponse que vous avez donnée? Ah, mais j'ai répondu à plusieurs fois à cette j'ai question. J'ai oublié, hein? Ah, regardez sur YouTube. Par quelle voie vous êtes sorti de la Guinée? Voie? Oui. Et vous n'avez pas contribué. Comment je vais vous expliquer? C'est ça. Maître. Vous ne m'avez pas aidé? Est-ce que le 28 septembre 2009, vous étiez au stade du même nom? Je n'ai pas été au stade 28 septembre. Eh? Marcel, Marcel. On est en train de monter, Tiboro quitte par là, il vient rentrer entre moi et Dadis. Je n'ai même pas dit, je l'ai ramassé, je l'ai pris. Il a crié, Excellence, il est en haut ici. Dadis dit, Tumba, il y a quoi? J'étais sur mon nom, Man Favelo Tumba. Ne dites pas sur ma Tumbarek, ajoutez. Voilà, Man Favelo Tumbarek. Moi, je suis né ici, grandi ici, tu connais. On a tapé l'école ensemble, tu connais. Il sait. Voilà. Nous sortons effectivement du sanctuaire, nous sortons du tabernacle, de l'auditorium, du temple dit de Ténis. Hein? En harmonie, il est dans le transcendantal. Et? Les moyens de défense n'ont plus cours dans ce prétoire. C'est-à-dire? Est-ce que vous n'êtes pas victime de la commune renommée? Hein? Là, le faux dossier là qu'ils ont fait derrière moi, pensant qu'ils pouvaient organiser le procès là sans moi, ça ne peut pas marcher. Mais voici à Conakry. Vous avez été arrêté le 16 décembre 2017, hein, ou 16, où? À Dakar. Il faut dire que j'ai donné ma position. D'accord. Uh-huh. Et extradé en Guinée. C'est moi qui ai donné ma position. D'accord. Donc vous étiez en fuite. Hein? Vous étiez en fuite. Et... Dieu m'a donné les pieds pour les utiliser. Ah, c'est ça. Il m'a pas dit de m'arrêter. Voilà. Ça n'a pas commencé par moi seul. C'est ça. Ah. C'est ça. Voilà. Vous savez pourquoi vous avez fui, vous le savez? Hein? Vous savez pourquoi vous avez fui? Expliquez-moi, maître. Non, vous le savez? Non, expliquez-moi. Vous avez vu Marcel au stade? Eh? Vous l'avez rencontré au stade? Eh? Marcel? Marcel? Monsieur Tumba Yakité. Vous aimez mon nom là? Oui. Même moi, j'aime quoi. Oui. Là, le faux dossier là qu'ils ont fait derrière moi, pensant qu'ils pouvaient organiser le procès là sans moi, ça ne peut pas marcher. Mais voici à Conakry. Vous avez été arrêté le 16 décembre 2017, hein, ou 16. Où? À Dakar. Il faut dire que j'ai donné ma position. D'accord. Uh-huh. Et extradé en Guinée. C'est moi qui ai donné ma position. D'accord. Donc vous étiez en fuite. Hein? Vous étiez en fuite. Et... Dieu m'a donné les pieds pour les utiliser. Ah. C'est ça. Il m'a pas dit de m'arrêter. Voilà. Ça n'a pas commencé par moi seul. C'est ça. Ah. C'est ça. Voilà. Vous savez pourquoi vous avez fui, vous le savez? Hein?
Vous savez pourquoi vous avez fui? Expliquez, ma mère. Non, vous le savez. Non, expliquez, ma mère. Quand il y a 150 morts. Uh-huh. Et c'était ça? Des viols. C'était ça? Des pillages. Non, si c'était ça, si c'était ça, oui, je pense que je n'allais pas quitter. Dites-moi, par quelle voie vous êtes sorti de la Guinée? Par quelle voie vous êtes sorti de la Guinée? Hein? Par quelle voie vous êtes sorti de la Guinée? Bon. Bonsoir, mon commandant. Il me salue, je cache ton bras. Bonsoir, madame. Ouais. Excusez-nous. Arrêtez, Toumba vers Sénégal. Qu'est-ce que toi tu as fait? Alors, vous avez arrêté Toumba, non? Toumba, le ennemi de la Guinée. Toumba, envoyez-lui de la Guinée. On va le juger ici, le Toumba. Mais vas-y à Conakry. Monsieur Aboubakar Diakité, dit Toumba, venez à la base. Monsieur Diakité. Oui, maître. Pouvez-vous me rappeler votre nom? Man Fabelo Toumba. Est-ce que le 28 septembre 2009, vous étiez au stade du même nom? Je n'ai pas été au stade 28 septembre. Je vais me mettre avec Julien. Il ne faut pas quitter un homme qui te donne 10 000 pour un homme qui te donne 15 000. Il faut garder les deux. Ça te fait 25 000. La vie, c'est le calcul. Donnez-moi le numéro des 22 camions dans lesquels vous avez embarqué les 22 corps. Il a répondu à ce que je suis. Ne pêchez pas. Très bien. Ne pêchez pas. Pas du tout. C'est grave. C'est des personnes qui sont décédées. C'est grave, hein. Ok. Moi, si on m'acquise, vous les avez vus? Je parle de vous. Vous les avez vus? Je parle de vous. Ils m'ont accusé, ils sont où? Et vous, vous êtes où? Ils sont où? Vous êtes où? Non, je vous dis. Vous êtes où? C'était derrière Mano. On a dû mettre. Attendez. Là, le faux dossier là qu'ils ont fait derrière moi, pensant qu'ils pouvaient organiser le procès là sans moi, ça ne peut pas marcher. Mais voici à Conakry. Vous avez été arrêté le 16 décembre 2017, hein, ou 16. Où? À Dakar. Il faut dire que j'ai donné ma position. D'accord. Ah. Extradé en Guinée. C'est moi qui ai donné ma position. D'accord. Donc vous, voilà. Vous étiez en fuite. Hein? Vous étiez en fuite. Et... Dieu m'a donné les pieds pour les utiliser. Ah. Après. C'est ça. Il m'a pas dit de m'arrêter. Voilà. Ça n'a pas commencé par moi. Voilà. C'est ça. Ah. C'est ça. Vous étiez avec qui le 27 septembre? Je ne me souviens pas. Vous étiez seul? Je ne me souviens pas. Vous étiez avec le médecin? Je ne me souviens pas. Votre épouse vous a-t-elle rendu visite le 27? Je ne me souviens pas à la date que vous êtes en train d'indiquer comme ça. Quelle date? Vous dites le 27. D'accord. Avez-vous mangé le 27? Non. Vous n'avez pas mangé? J'ai pas pu. Le 27, je n'ai pas... Le 27, je ne me souviens pas. Vous étiez à jeun? Pas problème de jeun. Je ne sais pas si j'ai fait quelque chose. Je ne me souviens pas de la date du 27. Mais vous étiez malade? Affirmatif. Vous preniez vos produits tous les jours? Montage là, le faux dossier là qu'ils ont fait derrière moi, pensant qu'ils pouvaient organiser le procès là sans moi, ça ne peut pas marcher. Mais voici à Conakry. Vous avez été arrêté le 16 décembre 2017, hein, ou 16. Où? À Dakar. Il faut dire que j'ai donné ma position. D'accord. Ah, extradé en Guinée. C'est moi qui ai donné ma position. D'accord. Donc vous, voilà. Vous étiez en fuite. Hein? Vous étiez en fuite. Et... Dieu m'a donné les pieds pour les utiliser. Ah. C'est ça. Il ne m'a pas dit de m'arrêter. Voilà. Ça n'a pas commencé par moi. Voilà. C'est ça. Ah. C'est ça. Voilà. Vous savez pourquoi vous avez fui, vous le savez? Hein? Vous savez pourquoi vous avez fui? Expliquez-moi, maître. Non, vous le savez? Non, expliquez-moi. Quand il y a 150 morts. Uh-huh. Et c'était ça? Des viols. C'était ça? Des pillages. Non, si c'était ça, oui, je pense que je n'allais pas quitter. Dites-moi, par quelle voie vous êtes sorti de la Guinée? C'est pas ça, par quelle voie vous êtes sorti de la Guinée? Hein? Par quelle voie vous êtes sorti de la Guinée? Bon.